Coucou à vous tous, bienvenue mes chers amis pour un nouveau rituel qui sera fait à base d'eau de riz. Cette eau de riz, on va l'utiliser en fait pour le nettoyage de votre maison, pour nettoyer le sol. Donc je fais ici une vidéo à main libre et je vais vous expliquer donc l'utilisation du riz, pourquoi on le fait, on l'utilise dans l'eau de nettoyage. C'est que parce que, donc vous voyez, parce que le riz, on l'utilise aussi comme pouvoir de purification, de chance surtout, d'abondance. C'est comme, vous savez, pour les mariages, pour ceux qui ont oublié ce symbolique, on jette des grains de riz sur les mariés. C'est pour leur porter bonheur. Donc, pour porter bonheur à votre appartement, à votre maison, votre lieu de vie, il va falloir utiliser donc du riz blanc. J'avais un reste de riz là. Et il va falloir le laisser reposer dans l'eau environ 2 heures. Et vous voyez, c'est un petit peu avant, quand on rince le riz, c'est l'eau qui reste. En fait, c'est l'eau normalement qu'on jette, quand on rince le riz, pour que l'eau reste transparente. Mais là, on garde ce jus du riz. Et pour avoir plus d'efficacité et purifier l'appartement, donc c'est vraiment pour apporter la chance, le bonheur chez vous. Et en même temps, pour purifier, quand vous allez laver la maison, vous pouvez utiliser soit du sulfate, donc vous y rajoutez dans cette eau. Et ce sera en fait 2 en 1, purificateur, apporter la chance, le bonheur dans ta maison. Donc il faut aussi mettre, oups, un peu de sel, mon Dieu. Un peu de sel marin si vous en avez, comme vous voulez. Mélangez bien, comme des recettes de cuisine. Mais ça, c'est vraiment le rituel avec l'eau de riz. Comme je ne l'ai pas fait encore dans mes rituels, je vous le propose aujourd'hui. Et ensuite, donc, quand vous avez bien mélangé, vous avez gardé cette eau hein, qui va devenir blanche après 2 heures en général. Vous l'utilisez donc par rapport à votre bol de nettoyage. Il faut une passoire. Bon, j'ai pas pris la passoire, mais vous allez verser l'eau, donc sans le riz hein, bien sûr. À l'eau de nettoyage. Oui, ceux qui nettoient avec la Javel, ceux qui nettoient, je ne sais pas quel produit vous utilisez, c'est quand même beaucoup plus sain. Et en même temps, ça aura des vertus. Donc, je garde le riz ici, que je peux faire ensuite cuire bah, pour moi, pour manger. Et puis, vous utilisez simplement cette eau pour voilà, aller faire nettoyage du carrelage. Bonjour, mon chat. Du carrelage, si vous avez besoin, de votre maison. Surtout pour ceux qui ont du carrelage, pardonnez-moi. Et voilà, on voit en même temps mes petits chats. Donc voilà, utilisez cette eau pour nettoyer votre appartement qui va apporter chance, bonheur, joie et purification. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et si vous appréciez ce rituel. À bientôt. Bye bye.